Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le jeudi 16 septembre. Voici les titres. L'inauguration ce matin du foyer d'accueil médicalisé de Bècheville. Cette plateforme interdépartementale entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine est installée au Mureaux. Elle est dédiée à l'accueil d'adultes atteints de troubles du spectre autistique ou de handicap psychique. Alors que les états généraux de la justice sont annoncés pour l'automne, focus dans ce journal sur la formation des avocats et des magistrats. Notre invitée Maryvonne Caillebotte, procureure de la République de Versailles, nous parlerons de la justice de demain. Elle nous donnera sa vision sur le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui s'est ouvert récemment. Et enfin, vous le voyez, un des facteurs qui photographie les habitants, certains en plus de la distribution quotidienne du courrier dans les Yvelines, ainsi a-t-elle depuis quelques jours, des clichés pour un projet artistique, on le verra tout à l'heure, mené par Yann Arthus Bertrand. Les plus belles prises seront exposées au Louvre, et ce, en 2022. Dans ce journal également à suivre, Une fois que tu sais, c'est le film Choc sur l'environnement climatique, sur le réchauffement climatique. Une avant-première est programmée demain, vendredi, à l'UGC Vélizy, et on en parlera à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, le déplacement de Bruno Le Maire cet après-midi à Saint-Germain-en-Laye. Le ministre de l'économie, accompagné du ministre délégué au PME, Alain Griset, est venu rencontrer des chefs d'entreprise, puis des commerçants. On va peut-être voir les images s'afficher. Au cœur de cette table ronde, le plan indépendant du gouvernement, annoncé par Emmanuel Macron à la mi-journée. 20 mesures pour plus de simplicité et plus de protection pour les indépendants. Ils sont 3 millions en France. Nous reviendrons plus longuement sur cette visite dans l'émission 7-8 week-end, demain vendredi, sur TV78. Un foyer d'accueil médicalisé pour les personnes atteintes d'autisme vient d'être inauguré donc au Mureaux, un projet interdépartemental mené par les Yvelines et les Hauts-de-Seine avec l'Agence régionale de santé. L'objectif, prendre en charge et accompagner ces personnes sans solution. Les précisions de Justine Brasier. Un foyer d'accueil médicalisé interdépartemental vient d'être inauguré au Mureaux ce jeudi 16 septembre. Il permettra l'hébergement de 116 personnes en situation de handicap, atteintes de troubles du spectre autistique ou de troubles psychiques. À la fois des unités avec des espaces, y compris cafétéria, lieux de sociabilité, je dirais quasi en autogestion, où vraiment tout est fait pour développer l'autonomie de la personne, et puis d'autres unités qui sont pour des personnes qui présentent des troubles plus lunettes. L'établissement ouvrira ses portes le 4 octobre prochain, un projet qui répond à un besoin du territoire. Dans les départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, 400 personnes seraient concernées par un manque de prise en charge. Un plan d'accueil a été défini pour éviter les départs en Belgique. On est dans une situation de moratoire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'adultes qui sont envoyés en Belgique. Alors, envoyés en Belgique, encore une fois, les adultes qui y sont, ils sont bien accueillis, mais ils ne sont pas à proximité des familles. Et donc, il répond évidemment à ce besoin-là. D'accueil des personnes présentant ces troubles. L'établissement est implanté sur le site de Bècheville au Mureaux, un endroit stratégique qui s'inscrit dans un pôle sanitaire et social. On veut ici faire une espèce de campus de santé, et donc ça nous paraissait logique dans le cadre de cet aménagement de venir au Mureaux. Puis il y a une logique d'aménagement du territoire. La vallée de Seine aujourd'hui est un territoire meurtri en matière d'emploi, et cet établissement va créer des emplois. Il y a plus de 300 emplois qui vont être générés par l'installation de cet établissement. Coût total du projet, 31 millions d'euros. Nous allons ouvrir à présent une page justice dans ce journal avec mon invité Maryvonne Caillebotte. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le procureur de la République de Versailles. Avec vous, on va parler justement de justice, mais plus précisément de la justice de demain. Comment doit-elle évoluer? Doit-elle s'améliorer peut-être? On vous posera la question dans un instant, alors que des états généraux de la justice doivent s'ouvrir à l'automne. Mais l'actualité judiciaire du moment, c'est aussi le début du procès des attentats du 13 novembre 2015. Il a débuté depuis plus d'une semaine devant la cour d'assises spécialement composée de Paris. C'est une audience criminelle hors norme, 140 jours d'audience, 20 accusés, environ 1800 parties civiles, plus de 330 avocats, 542 tomes de procédures. Quel regard vous portez sur ce procès ? J'ai deux regards, en fait, un regard de citoyenne qui, comme la plupart d'entre nous, pensons à l'endroit où nous étions il y a quelques années, au moment où ces faits abominables se sont produits. Et je suis heureuse que la justice entre en ligne de mire, maintenant en ligne de course. Et puis j'ai un regard plus professionnel. J'ai appartenu pendant plusieurs années aux Assises de Paris, donc je sais le travail que ça représente. J'ai une pensée pour toutes celles et ceux qui ont travaillé pour que ça puisse se dérouler, les collègues, les fonctionnaires, toutes les personnes qui sont mobilisées par ce procès et bien sûr tous ceux qui vont y participer parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair ou celle de leurs proches.
Et je sais que ce sera difficile parce que redire, c'est revivre. Avec une centaine de témoins aussi cités pour ce procès qui donc va se dérouler pendant 9 mois. Alors je le disais, il y a des états généraux de la justice qui doivent s'ouvrir à l'automne. C'est en tout cas un communiqué de l'Élysée qui les a annoncés hein, le 5 juin dernier. Alors c'est l'occasion pour nous de faire le point aussi sur la formation des métiers de la justice. En France, par exemple, 11 écoles d'avocats disposent d'une formation initiale, notamment l'EDAC, c'est la Haute École des Avocats Conseil de Viroflay. Après 1 an et demi de formation, les élèves passent le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Nicolas Dandry s'est rendu dans cet établissement le jour des examens oraux. Regardez. C'est le jour J pour Léa Desmulder, élève à la Haute École des Avocats Conseil de Viroflay. Elle se présente aujourd'hui à l'oral du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA. Une épreuve de déontologie suivie des soutenances du stage en cabinet et du projet individuel face à un jury de professionnels. On place le candidat face à une situation concrète de questionnement déontologique et on cherche à savoir s'il a bien acquis les principes de notre métier. Ces principes, Léa Desmulder les a appris en 6 mois. Durant cette période, les élèves sont formés à la pratique du métier d'avocat ou encore au management d'un cabinet. Suivent ensuite 12 mois de stage, 6 mois en cabinet d'avocat et une deuxième période de projet individuel juridique en partenariat avec une structure. Au total, la formation dure 18 mois. En venant à l'école d'avocat, je m'attendais justement à apprendre vraiment comment me comporter en tant qu'avocat, quelles sont justement toutes les obligations déontologiques qui s'imposent à l'avocat. Pour sanctionner cette formation, le CAPA est composé de 2 épreuves écrites, la rédaction d'un acte et d'une consultation juridique, d'épreuves orales, la déontologie, la soutenance et l'incontournable plaidoirie. Au total, 420 heures sont dispensées à l'EDAC. La plaidoirie est le moyen de convaincre, d'avoir cette force de conviction qui va permettre d'être une aide à la décision du juge. Nos élèves avocats font 240 heures en plus du programme imposé par le Conseil national des barreaux. Ce qu'il faut accentuer, me semble-t-il, c'est ce que nous faisons déjà un petit peu à l'EDAC avec la création des modules approfondis de pratiques professionnelles et les différents diplômes et cursus supplémentaires que nous avons créés. Il faut impérativement que nous mettions nos élèves avocats en situation d'immersion, de mise en situation de pratiques professionnelles, les pré-spécialiser à leur avenir. Au sein de la Haute École des Avocats Conseil de Viroflay, plus de 400 élèves avocats sont formés en moyenne chaque année. Voilà pour les avocats. Si on place le curseur désormais sur les magistrats, Marie-Yvonne Caillebotte, comment sont-ils formés? Il y a une école en France, c'est l'École nationale de magistrature, c'est ça? Absolument, l'école est à Bordeaux, c'est l'école mère en quelque sorte, et il y a une antenne sur l'île de la Cité à Paris. Alors comment se déroule justement la formation des magistrats? C'est une formation sur 31 mois, donc qui est assez longue et qui contient plusieurs séquences, on va dire, à la fois une formation initiale théorique, de plus de 30 mois, une formation sur le terrain en qualité d'auditeur de justice, donc dans des juridictions où on passe dans toutes les fonctions et où les éditeurs sont pris en charge par des magistrats professionnels déjà en poste et donc qui aident à leur formation. Y a-t-il selon vous des aspects qu'il faudrait peut-être améliorer dans ces formations de magistrats ? La formation des magistrats et spécifiquement l'école de la magistrature est en mouvement perpétuel. Et d'ailleurs, si on n'était pas tout seul, on est constamment impacté, notamment par tout le débat actuel sur potentiellement la suppression de l'école nationale de la magistrature, l'ENM, qui serait fondue avec d'autres écoles. Donc c'est une recherche permanente d'amélioration et de façon à assurer une formation juridique, bien sûr, mais aussi des magistrats qui sont bien ancrés dans leur temps et dans la société. Alors revenons à ces états généraux de la justice qui doivent s'ouvrir normalement à l'automne. Leurs contours, leur contenu pour le moment sont assez flous hein, depuis ce communiqué de presse de l'Élysée du 5 juin dernier. Y a-t-il une énorme attente de votre part, Marie-Yvonne Caillebotte, ou finalement vous attendez d'en savoir plus autour de ces états généraux ? Il y a une question de méthodologie d'abord, effectivement, qui nous aidera certainement à nous positionner les uns les autres, juridictions ou même les organisations syndicales qui ont commencé déjà à réfléchir et, d'après ce que j'ai pu lire, à manifester un certain nombre d'attentes auprès de la chancellerie. Donc la méthode nous dira et nous conduira un petit peu vers la meilleure manière de proposer ou d'émettre les idées, les souhaits, les critiques, toutes choses effectivement que nous avons toujours un peu en magasin, les propositions, les idées et puis nos espoirs aussi peut-être. Et c'est une actualité dans un contexte de remise en cause de la justice hein, et critique de l'institution. Après, on peut citer l'affaire Sarah Halimi, aussi le verdict dans le procès en appel dans l'affaire des policiers brûlés à Viry-Châtillon en Essonne. Il y avait cette phrase notamment qui avait fusé lors d'une manifestation de policiers. Le problème de la police, c'est la justice. Il y a une urgence à sortir de ce temps et peut-être à dessiner ce à quoi pourrait ressembler la justice de demain.
Le problème de la police, c'est la police. Et nous en sommes les témoins, d'ailleurs, du quotidien, nous, la justice, et nous les soutenons, d'ailleurs, dans les problèmes et l'émergence de leurs problèmes et la manière dont nous, on pense que si un certain nombre de difficultés au sein de la police étaient réglées, ne serait-ce que la formation, le nombre de policiers, leurs équipements, etc., donc nous sommes, en fait, à leur côté. Donc c'était une opposition qui était assez artificielle et très partiale. Il n'y a pas de, finalement... à prendre parti, il faut travailler ensemble, c'est ce que vous dites. Bien sûr, non seulement il faut travailler ensemble, mais de fait, nous travaillons ensemble, notamment sur la chaîne pénale, puisque la fabrication de la procédure, qui ensuite arrive devant les juridictions, effectivement, constitue cette espèce de chaîne, notamment sur l'aspect qualitatif que nous devons travailler ensemble. Alors, ces états généraux, vous le dites, la méthodologie doit être encore définie, mais pourrait penser, réfléchir à ce à quoi la justice pourrait ressembler demain. Vous la voyez comment, la justice de demain, justement? On pourrait y passer toute la journée. Si je vous disais à quoi je... On a quelques items quand même qui ont commencé à percer, notamment, paradoxalement, au travers du Beauvau de la sécurité, puisque le président de la République s'est exprimé. Et si vous écoutez bien ce qu'il a dit, c'est que ses premiers items concernaient la réforme de la procédure pénale, notamment. Et donc, il a fixé une petite feuille de route, semble-t-il, au ministre de la Justice, qui va peut-être se retourner vers nous dans le cadre des états généraux de la justice. Avec une justice peut-être plus unie, où magistrats, avocats travailleraient davantage ensemble. Écoutez à ce propos, Marie-Yvonne Caillebotte, ce que pense le directeur de l'EDAC, hein, la haute école des avocats de conseil à Viroflay. L'avocat est un auxiliaire de justice, je préfère dire partenaire de justice. Et nous œuvrons chacun, magistrats et avocats, en complément les uns des autres, chacun dans notre rôle, chacun dans notre fonction, mais dans l'intérêt d'une bonne justice, d'une justice rendue et qui puisse être comprise par le justiciable. Travailler davantage ensemble, on l'a compris. Comment procède-t-on, j'ai envie de vous dire? Or, j'ai de la chance de co-diriger une juridiction où, je crois, ce travail partagé existe vraiment entre le barreau de Versailles et puis la juridiction de Versailles. Donc c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, on les associe énormément. Donc je ne dis pas que c'est un modèle, mais en tout cas c'est un exemple, et ce n'est pas le seul, de la manière dont ça peut très bien se passer, dans le respect des attributions des uns et des autres, ça c'est sûr et certain. J'ai toujours dit, et notamment pour la matière pénale, que plus la défense est à un niveau élevé, et plus elle élève aussi la juridiction, les parquetiers ou les juges, les magistrats du siège. Donc on a effectivement beaucoup de choses en commun. Déjà pour commencer, le code pénal, par exemple, le code de procédure pénale, c'est le même. Une éthique qui n'est pas tout à fait les mêmes, mais les avocats comme nous prêtons serment un jour, au tout début de notre carrière, et ça doit rester un phare qu'on oublie de temps en temps parce que les années s'empilent, les épreuves, et puis on s'éloigne un petit peu de la pureté des principes. Et pourtant, ça devrait toujours nous guider. Une dernière question sur cette justice de demain. Le 30 août dernier, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, était à Poissy pour parler des TIG, ces travaux d'intérêt général, l'alternative à l'incarcération. Quel rôle, quelle utilisation peut-on avoir de ces TIG dans la justice de demain, justement, pour avoir cette alternative à l'incarcération. Alors effectivement, le ministre était à Poissy, mais je tiens à souligner que le tout début de son déplacement était au tribunal judiciaire. Il a commencé par nous rendre visite, ce qui est effectivement, je dirais, la moindre des choses, mais qui est cohérent. Et donc au sein de la juridiction, nous avons évoqué le TIG. Le TIG, c'est un monsieur d'âge mûr. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut le rendre plus présent, non pas massif, parce que c'est quand même une peine extrêmement individualisée qui correspond à un certain type de personnes et avec des conditions qu'il faut remplir. Donc c'est un outil très intéressant, très important et qu'il faut développer notamment dans le cadre de la récidive ou de l'empêchement de la récidive. Il y a beaucoup d'espoir à continuer de mettre sur le TIG. Merci Marie-Yvonne Caillebotte d'être venue en plateau. Je vous rappelle, procureur de la République de Versailles. Merci. Alors que les journées du patrimoine se déroulent ce week-end, les villes d'Épône et de Mézières-sur-Seine ont choisi de mettre en avant un autre patrimoine, les forces de l'ordre. Pour les rapprocher de la population, les deux communes organisent ce 18 septembre Prox Épône-Mézières, une journée inédite et gratuite autour de la sécurité. Un village d'animation et de démonstration sportive s'installera à la salle du bout du monde d'Épône. Regardez cette interview express. Prox Épône-Mézières, c'est une manifestation qui a pour but de créer du lien entre la police et la population. Mais pas seulement. C'est une manifestation qui a vocation à faire connaître un peu mieux
les métiers de la sécurité en général pour permettre un contact un petit peu différent de ce qui se passe au quotidien avec la police en particulier. Il y a des stéréotypes un petit peu de la police qui est souvent une police répressive et qui est éloignée un petit peu des quartiers. Ce n'est plus la police de proximité d'autrefois. Et là, le fait de créer ce type d'événement permet de recréer, de voir la police pour tout un chacun sous un aspect un petit peu différent. Alors, c'est des ateliers ludiques et des ateliers de démonstration. Il y aura par exemple des initiations au sport de combat et aux gestes techniques d'intervention de la police par la Brigade Académie, qui est une association créée par notre police municipale. Il y aura des démonstrations de savoir-faire des forces de sécurité avec les techniques d'interpellation, des démonstrations cynophiles, des démonstrations équestres, des secours à la personne, de la découverte du matériel et des véhicules d'intervention, et la possibilité aussi d'avoir un survol d'hélicoptère du site et d'avoir un petit baptême d'hélicoptère à un prix tout à fait raisonnable. Ça permet de découvrir aussi sous un autre angle, comme on découvre là la police sous un autre angle, mais aussi de découvrir son cadre de vie sous un autre angle que ce qu'on voit tous les jours. Chaque année, 1149 postiers sillonnent les routes des Yvelines pour distribuer lettres et colis en tout genre. Le photographe et reporter Yann Arthus-Bertrand a décidé de rendre hommage à ces femmes et ces hommes en bleu et jaune en lançant un projet jamais vu. Les facteurs qui l'acceptent peuvent prendre en photo leurs habitants emblématiques de leur tournée. Le reportage de Céline Charles. Il est 14h30 à la poste de Marly-le-Roi et Claude s'engage dans une tournée particulière. Aujourd'hui, il ne fera pas que distribuer le courrier à ses clients, il va aussi les prendre en photo. Alors, Je savais pas que tu avais des talents photographe. Si, ça m'arrive. Cela fait un an que Claude est facteur, et pourtant, comme beaucoup d'autres, il connaît déjà tous les habitants des rues qu'il arpente quotidiennement. Alors, face à cette proximité, Yann Arthus-Bertrand et La Poste ont invité tous les facteurs de France à photographier les Français qui les touchent dans le cadre de leur tournée. Claude n'a pas hésité à participer. C'est la première fois que l'on propose à des facteurs de prendre effectivement un appareil photo, de pouvoir rentrer quelque part dans cette intimité que la plupart des Français ne voient pas, c'est-à-dire de s'intéresser aux gens, de les prendre en photo et de leur poser des questions. Et au-delà du métier que nous avons et que nous aimons, c'est pour nous un véritable panorama pour vous de découvrir comment nous sommes au quotidien. Toujours le sourire aux lèvres, il tire le portrait des différentes personnes qu'il rencontre, toutes heureuses de se prêter au jeu. L'occasion aussi d'en apprendre un peu plus sur ces visages qu'il côtoie quotidiennement. Qu'est-ce que tu aimerais voir changer en France ? C'est aussi là très très large. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, ce que j'aimerais voir, c'est plutôt une baisse de l'intolérance. Mon facteur, je le croise tous les jours, et donc c'est vraiment une relation personnelle avec lui. Il me connaît, on se connaît. La relation de proximité est importante parce qu'on ne peut que mieux servir son client quand on le connaît. Je peux avoir des personnes qui ont des recommandés avec des bonnes, des mauvaises nouvelles, mais le facteur reste le facteur, toujours souriant. Un lien unique qui unit une profession humaine et celles et ceux qui l'inspirent ou l'émeut. Mais moi je suis facteur, et tous mes clients je les aime. Les photos recueillies seront présentées à travers une exposition digitale d'ici la fin 2021 et les plus belles photos seront exposées à la Poste du Louvre l'année prochaine. Il est le seul Français dans cette liste établie par le Time. Il est Yvelinois. Omar Sy figure parmi les 100 personnalités les plus influentes du monde, selon le célèbre magazine américain. À ses côtés, dans ce palmarès, le spectre est assez large. De Scarlett Johansson à Joe Biden, en passant par Lil Nas X ou encore Elon Musk, l'acteur originaire de Trappe a été à l'affiche de la série Lupin, qui a connu un succès mondial en 2021. S'il y a une chose à retenir, c'est sa gentillesse qui vous imprègne et imprègne l'espace quand vous êtes avec lui, écrit l'acteur et réalisateur Bradley Cooper à propos d'Omar Sy, qui signe un court texte dans le Time à propos de cette nomination. Un film choc en avant-première ce vendredi à l'UGC Vélizy, Une fois que tu sais, est un documentaire écrit et réalisé par Emmanuel Caplin en collaboration avec Anne-Marie Sangla, récit sur le réchauffement climatique mené à travers plusieurs rencontres avec différents scientifiques du monde entier. Nicolas Dandry. Les études scientifiques parlaient de pénurie énergétique, d'emballement climatique, d'extinction du vivant. C'est un véritable choc, un bouleversement. Après avoir vu le film documentaire Une fois que tu sais, des questions se posent, des inquiétudes émergent. Souvent, les gens sont pas bien.
Voilà. Mais je dirais que ça dépend un petit peu d'où on en est par rapport à la conscience de ce qui nous attend, en fait. Se dire aussi qu'on a dépassé les bornes, en fait, qu'on est allé trop loin et qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. C'est ça, en fait, qui rend mal à l'aise et qui rend très, très mal, en fait. Les raisons de ces ressentis, le récit de l'auteur et réalisateur Emmanuel Kaplan. Le spectateur est plongé dans son esprit, l'évolution de sa pensée sur les sujets du réchauffement climatique et de la préservation de l'environnement. On parle de ce moment-là où il va y avoir un choc émotionnel énorme qu'il va vivre quand il va, pour une raison professionnelle, être à bord d'un porte-container et où il va avoir une vision complètement apocalyptique de ce qui est en train de nous arriver. Et moi, je l'ai accompagné pendant plusieurs années sur la mise en forme de ce film. 2 ans et demi de montage après 5 années de tournage, des séquences enregistrées entre l'Europe, les États-Unis et le Bangladesh à la rencontre des scientifiques et des spécialistes du climat. Les experts du GIEC, les ingénieurs qui sont là pour en parler, Richard Weinberg qui est là pour parler de la fin des énergies fossiles aussi, qui est spécialiste des énergies fossiles et des villes en transition, ils sont là pour poser ce constat-là. Ce film a reçu plusieurs reconnaissances dans plusieurs festivals internationaux. Chaque projection est suivie d'une discussion participative avec les spectateurs. Puis un guide est distribué à la fin pour rassurer et tenter d'agir face aux conséquences du changement climatique. Une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait ? Collectivement. Avant de vous laisser, l'association manicoise Le Cinoche Los lance sa saison. On ne va pas en faire tout un cinéma si justement c'est le nom de cette saison qui évoque forcément la situation sanitaire. L'équipe vous invite pour une séance de cinéma ce vendredi à 20h à l'Estaminet de Manille-les-Hameaux. Au programme, les productions de l'année dernière, reportages, fiction et découverte des projets de l'association. Cette soirée ouverte à tous sera également l'occasion de présenter les temps forts de la saison à venir. Soirée horreur, nuit du cinéma. Écoutez le fondateur de l'association interrogé par Justine Brasier. On a décidé d'ouvrir avec des créations, donc c'est des choses qui ne sont pas vues, qui sont inédites. Et puis ça permet de relancer, de communiquer toute la saison qui va venir, qu'on espère qu'on va tenir cette année, et qui va s'appeler On ne va pas en faire tout un cinéma. Si quelqu'un est curieux de savoir comment on peut faire du cinéma avec pas forcément des grandes caméras, une vraie production, c'est le meilleur moyen de venir découvrir les productions avec les moyens, on va dire, du bord, avec des petites caméras, voire même des téléphones portables, hein, parce qu'on filme aussi au téléphone portable. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain vendredi, place au 7-8 week-end pour bien terminer la semaine dans les Yvelines entre actualité et loisirs. Belle semaine sur TV78.